Dieu est bon. God is good. Frères bien-aimés, beloved brethren, depuis que le Seigneur nous a demandé, since the Lord asked us, d'enseigner la délivrance à toute l'église, to teach about deliverance to the whole church, il m'ouvre l'esprit sur beaucoup de révélations. He's opening my spirit on many revelations. Ce soir, this evening, nous allons parler de l'incarnation. We're going to talk about the incarnation et ses implications. And its implications. Et nous allons parler de l'église. We're going to talk about the church. Que cela ne vous étonne pas. Let this not surprise you. Les deux notions vont se réconcilier quelque part. These two notions will come together somewhere. La parole de Dieu dit, the word of God says, Dieu était en Christ. God was in Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Reconciling the world to himself. Dieu était en Christ. God was in Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Reconciling the world to himself. Dieu était en Christ. God was in Christ. C'est ça qu'on appelle l'incarnation. That's what we call the incarnation. Au commencement était la parole. In the beginning was the word. La parole était avec Dieu. And the word was with God. La parole était Dieu. And the word was God. La parole s'est faite chair. The word became flesh. Les évangiles. The gospels. Les quatre évangiles. The four gospels. Nous enseignent sur Dieu entrant dans Jésus de Nazareth. Teach us on God getting into Jesus of Nazareth. L'enfant de Marie. The child of Mary. Conçu sans le secours de l'homme. Conceived without the help of man. Sans relation sexuelle. Without any sexual relationship. Cet enfant. That child. Qui avait le corps que Dieu lui a donné. Who had the body that God gave him. Un corps humain. A human body. Avec le sang humain. With human blood. La seule différence. The only difference. C'est qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel. Was that there was no sexual intercourse. Mais c'était un corps humain. It was a human body. Et l'Esprit de Dieu est entré. And the Spirit of God came in. Et Dieu était donc en ce corps-là. And God was in that body. Opérant des miracles dans le monde. Operating miracles in the world. Glorifiant le nom du Père. Glorifying the name of the Father. Sanctifiant son nom. Hallowing his name. Réconciliant les hommes avec lui. Reconciling men to him. Le but de l'incarnation, the goal of the incarnation, c'était de pourvoir au monde un corps saint dans lequel habitait Dieu. Was to provide to the world a holy body in whom God dwelt. Un corps humain propre, saint. A clean and holy human body. Qui pouvait être offert en sacrifice pour le péché. Which could be offered as a sacrifice for sin. Il fallait quelqu'un qui n'avait jamais commis de péché. You needed someone who had never committed any sin. Mais la particularité de cet homme. But the particularity of that man. C'est qu'il était l'habitation de Dieu dans la plénitude. Is that it was the dwelling of God in his fullness. Parce que au niveau humain, because at the human level, il a obéi totalement à Dieu. He obeyed God fully. Et Dieu était donc dans le monde à travers ce corps-là. And God was therefore in the world through that body. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Maintenant, now, les épîtres, the epistles, nous enseigne, teach us, que Dieu est dans le monde, that God is in the world, mais est dans l'église, but in the church. Le corps de Jésus de Nazareth, the body of Jesus of Nazareth, était le corps de Dieu qui était dans le monde, was God's body in the world, le corps dans lequel Dieu vivait. The body in which God dwelt. Est-ce que vous me suivez très bien? Are you getting me clearly? Mais après Jésus,
But after Jesus, en qui Dieu habitait pleinement et faisait les miracles partout, in whom God dwelt fully and was performing miracles everywhere, Dieu habite dans l'église. God dwells in the church, qui est le corps de Christ, which is the body of Christ. Jésus est la tête. Jesus is the head. Et nous sommes les membres. And we are the members. Et notre vie. And our life. Si notre vie est comme la vie de Jésus. If our lives are like the life of Jesus. Si la vie de l'église. If the life of a church. Est une vie d'obéissance comme Jésus a obéi. It's a life of obedience as Jesus obeyed. Est-ce que vous me suivez très bien? Are you listening to me? Si la vie de l'église, if the life of a church, satisfait le cœur de Dieu, satisfies God's heart, comme la vie de Jésus avait satisfait le cœur de Dieu, as the life of Jesus satisfied God's heart, Dieu qui habite l'église, God who dwells in the church, va se manifester, will manifest himself, il va se glorifier, he will glorify himself. Il y aura des œuvres que Jésus faisait dans l'église. There will be the works that Jesus did in the church. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dans les épîtres, in the epistles, l'église est exhortée, the church is exhorted, à imiter le Seigneur Jésus, to imitate the Lord Jesus, pour être semblable à Dieu, to be in the likeness of God, afin de rendre possible l'habitation de Dieu parmi nous, so as to make God's dwelling possible amongst us. Si nous nous querellons, if we quarrel, si nous nous mordons, comme dit l'apôtre Paul, if we eat up ourselves, like the apostle Paul said, Dieu ne peut pas habiter parmi nous. God cannot dwell amongst us. Écoutez ça très bien. Listen attentively. Dans le livre que je vous ai cité, le livre de Washmani, in the book that I cited to you, Washmani's book, le brisement et la libération de l'esprit, brokenness and the release of the spirit, le brisement de l'homme extérieur et la libération de l'esprit, Josias peut vous aider à l'obtenir. The brokenness of the external man and the freedom of the spirit. Washmani dit que Dieu n'habite pas dans les organisations. Washmani says God does not dwell in organizations. Il n'est pas dans les mouvements. He's not in movements. Dieu habite dans l'église. God dwells in the church. Il n'est pas dans les congrégations. He's not in congregations. Il est dans l'église. He is in the church. Mais quelle église? But which church? L'église qui fait comme Jésus. The church that does like Jesus did. Qui recherche la gloire de Dieu. That seeks God's glory. Qui fait la volonté de Dieu. That does God's will. Et il dit, l'église peut limiter Dieu. He says the church can limit God. L'église peut limiter Dieu. The church can limit God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si l'église coopère, if the church cooperates, Dieu va se manifester. God will manifest himself. Quelqu'un lise pour nous. Let someone read for us. Ephésiens 3 verset 10. Ephesians chapter 3 verse 10. Ephésiens chapitre 3 verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Ephesians 3:10. To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Amen. Lis Jean 1, verset 1 à 14. Read John chapter 1 from verse 1 to 14. On va revenir sur ce que tu viens de lire. Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. 2 Jean, verset 7. 2 John, verset 7. Et écoutez, au temps des apôtres, il fallait absolument croire que Dieu, la parole, s'est fait chair. C'était l'une des conditions pour qu'on croie à ta conversion. In the time of the apostles, you needed to absolutely believe that God was made flesh, and that was a prerequisite for your conversion. Pour nous, ça passe inaperçu, et ce n'est pas pour notre avantage. For us, it goes unnoticed, and it's not to our advantage. Il faut savoir, you must know, que quand Dieu a décidé d'accomplir son plan, that when God decided to accomplish his plan, il a d'abord fait en sorte qu'une vierge conçoive. He first of all made it in such a way that a virgin should conceive. Et Dieu est entré dans le corps. And God got into the body. C'est l'incarnation. That is incarnation. La parole s'est faite chair. The word that became flesh. Lis dans 2 Jean. Read 2 John. 2 Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Amen. L'apôtre Jean, lui, il est direct. Il dit, celui qui ne croit pas. The apostle John says, the one who does not believe, que Jésus est venu dans le monde par incarnation. C'est-à-dire la parole s'est faite chair. La parole, Dieu est entré en son fils. That Jesus came into the world by incarnation. That God got into his son. That the word became flesh. Dit, Jésus est entré pour parler simplement comme les hommes. Jésus est entré dans l'enfant qui était dans le sein de Marie. Et cet enfant fut déclaré fils de Dieu. That God got into that child who was conceived by Mary, and that child was declared son of God. C'est pour cette raison que Paul dit dans Romains que Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance. That's why Paul says in Romans that Jesus was declared son of God with power. C'est-à-dire personne ne doit discuter. It means that no one should argue. Il y a des actes souverains. Because there are sovereign actions. Il y a des choses que Dieu peut laisser les gens faire comme ils veulent faire. There are things that God can let men Mais do là, what they want. But then, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. He says, today you are my son, I have begotten you. Tu es sacrificateur pour toujours. You are a high priest forever. À la manière de Melchizedek. In the order of Melchizedek. Personne ne discute. Quand il a fini de parler, il y avait le calme sur toute la terre, dans tous les cieux. No one argued. When he finished talking, there was quiet in all of heaven and on earth. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. The word the Lord said to my Lord. Assieds-toi à ma droite. Sit by my right hand. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Until I make of your enemies a footstool. L'Éternel étendra sur Sion le sceptre de ta domination. The Lord will establish in Zion the scepter of your domination. Il dit, domine sur tes ennemis. He says, you dominate over your enemies. Et avec des ornements sacrés du sein de l'aurore.
with the sacred order of the daybreak. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. That your riches come to you like rose, like a dew. L'Éternel l'a juré. The Lord has sworn. Et il ne se repentira point. And he will no longer repent. Tu es sacrificateur pour toujours. You à la manière de Melchizedek. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Acclamation à Jésus Christ. Let us clap to the Lord Jesus Christ. Acclamation à Jésus Christ. Let's clap to the Lord Jesus. Acclamation à Jésus Christ. Il fallait croire à ça et nous devons croire à ça. You need to believe in that, and we need to believe in it. Jean dit, si quelqu'un ne croit pas à cette doctrine, qui t'explique autre chose, qui n'entre pas chez toi. John says that if someone does not believe in that doctrine and he explains something else, he should not get into your home. Parce que quand on dit Jésus est le Christ de Dieu, c'est parce que cette parole est vraie. Because when they say Jesus is the Christ of God, it is because this word is true. Une vierge enfantera. A virgin will give birth. Un enfant mâle. To a male child. On l'appellera Emmanuel. He will be called Emmanuel. Dieu avec nous. God with us. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Mais les évangiles ont été devancés par les épîtres. But the gospels were preceded by the épîtres. L'œuvre de Dieu. The work of God ne s'arrête pas au niveau des quatre évangiles. Do not end at the level, does not end at the level of the four gospels. Il faut avancer encore. He must go forward pour découvrir que le Fils de Dieu, to discover that the Son of God venait dans le monde, was coming into the world, bâtir l'église, to build the church. Et c'est cette église là. And it is that church qui est désormais l'instrument, which is henceforth the instrument à travers lequel Dieu doit agir dans le monde, through which God must act in the world. L'instrument visible, the visible instrument. Ce n'est plus à travers Jésus de Nazareth visible. It's no longer through the visible Jesus of Nazareth. C'est à travers l'église de Jésus, l'église que Jésus a bâtie. It's through the church of Jesus, the church that Jesus built. Et quand il disait, je bâtirai mon église. And when he says, I will build my church. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. And the gates of hell shall not prevail against it. Ça veut dire qu'il faut croire à l'église comme on croit au Seigneur Jésus. It means that we must believe in the church as we believe in the Lord Jesus Christ. Si tu dis au frère, priez pour moi. If you tell the brethren, pray for il me. Il faut croire. You must believe. Qu'il constitue une puissance. That they make up a power. Qui peut attirer la gloire de Dieu dans ta vie. That can bring about the glory of God into your life. L'église est une réalité. The church is a reality. L'église. The church. Est un instrument de Dieu. Is God's instrument. C'est pour cette raison que Jésus a dit. That is why Jesus said. Lis dans Jean chapitre 20 verset 21. Read John chapter 20 verse 21. Jean chapitre 20. Le diable a peur de tous ceux qui connaissent ces vérités-là. The devil is afraid of all those who know this truth. Donc écoute, en écoutant même, un démon peut te dire là, je m'en vais. Si tu dis ça, tu lèves la main, tu rends témoignage. Listen, as you listen, a demon can just go out, and when he goes out, you should testify. They will go. Jean chapitre 20 verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Vous avez écouté ça? Did you hear that? Frères, soyons sages. Brethren, let's be wise. Ne regardez pas tes limitations. Do not look at your limitations. Tes blocages. Your blockages. Tu grossis ça, j'ai les blocages. And you make it so big, I have blockages. Et il y a un esprit qui dit, tu vas mourir. And there's a spirit that says, you'll die. Tu n'écoutes pas, c'est l'autre qui dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Là, tu n'entends pas. Tu attends, tu vas mourir. You don't hear the one that says, as the Father sent me, I also send you. But you only hear the one that says, you'll die. Tu dis, je suis découragé. And you say, I'm discouraged. Comme le Père m'a envoyé, as the Father sent me, moi aussi je vous envoie. I too send you. Il faut que ça entre en toi.
This should get into you. Que ça chasse ces démons là. And cast out the demons. C'est par l'église. It is through the church. Que les autorités, les dominations. That authorities and dominions. Doivent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Must know the infinite wisdom of God. L'église. The church. C'est une puissance. It's a power. Ce n'est pas une organisation. It's not an organization. Ce n'est pas une congrégation. It's not a congregation. C'est le corps de Christ. It's the body of Christ. Il faut tout faire. You must do all. Pour demeurer dans l'église. To dwell in the church, to abide in the church. Il faut tout faire. You must do all. Pour demeurer dans les liens de l'église. To remain in the bonds of the church. C'est ça qui donne la vraie délivrance. That is what gives true deliverance. Baptisé dans le corps de Christ. Baptized into the body of Christ. Abreuvé par l'Esprit de Christ. And given the Spirit of Christ to drink. Rempli de l'Esprit de Christ. Baptisé dans le corps de Christ. Voilà qui nous sommes. Filled with the Spirit of Christ. Baptized in the body of Christ. That is who we are. Il faut croire à ça. You must believe in that. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Chaque membre de l'église, every member of the church, doit payer le prix, must pay the price, pour imiter toute personne, to imitate everyone, qui poursuit la gloire de Jésus, who pursues the glory of Jesus, poursuit la gloire de Dieu, who pursues God's glory. Quand tu écoutes un témoignage, when you listen to a testimony, discerne tout ce qui exalte Dieu, discern all that exalts God, et applique ça, and apply it. Étudie la vie de Christ. Study the life of Christ. Vis cette vie-là. And live that life. Et enseigne cette vie-là à tes frères. And teach that life to your brethren. Enseigne à ceux avec qui tu pries. Teach it to those with whom you pray. Même si vous êtes deux. Even if you are just two. Si vous remplissez les conditions. If you fulfill the conditions. De la soumission au Père. Of submission to the Father. Le Père va habiter parmi vous. The Father will dwell in your midst. Et il va se manifester. And he will manifest himself. Vous êtes le sel de la terre. That you are the salt of the earth. Vous êtes la lumière du monde. You are the light of the world. Si les gens veulent se dérégler, ne les suis pas. If people want to go astray, do not follow them. Les regards doivent être fixés sur Jésus seul. The eyes must be fixed on Jesus alone. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez que dans les épîtres, write that in the epistles. Le Seigneur, l'Éternel est dans l'église. The eternal Lord is in the church. Nous avons vu que dans les évangiles, we saw that in the gospels, le Seigneur nous présente Jésus. The Lord presents Jesus. Et Dieu en Jésus. And God in Jesus. Ce que l'apôtre appelle Jésus-Christ homme. That's what the apostle called Jesus Christ, the man. Jésus en lui. Pardon, Dieu en lui. That is God in him. Réconciliant le monde avec lui-même. Reconciling the world to himself. Dans les épîtres, in the epistles, c'est Dieu dans l'église. It is God in the church. C'est dans l'église qui peut libérer, c'est dans l'église qui peut libérer à travers l'imitation de Christ le travail des disciplines pour devenir semblable à Christ. It is therefore the church that can release through imitation to Christ the work and the discipline of being in his likeness. C'est le chemin pour la manifestation de la puissance de Dieu. It is the pathway to the manifestation of the power of God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. Write this down. Dieu veut se glorifier à travers l'église aujourd'hui comme il s'était glorifié à travers Jésus de Nazareth. God wants to glorify himself through the church today as he glorified himself through Jesus of Nazareth. Si tu diriges une assemblée, if you lead an assembly, dirige très bien. Lead it so well. Si vous dirigez bien, if you lead it well, Dieu va se manifester. C'est une loi. Dieu va se manifester. God will manifest himself. It is a law. God will manifest himself. Nous pouvons être tous de la CMCI. Nous pouvons être de la CMCI. We can be all of CMFI. Toi, tu crois. You believe. L'autre ne croit pas. The other one does not believe. Toi qui crois, tu seras béni. You will believe, you'll be blessed. Celui qui ne croit pas sera bloqué.
And the one who does not believe will be cursed. Nous pouvons avoir plusieurs assemblées dans la ville. We can have many assemblies in the city. L'assemblée qui va travailler. The assembly that will work. Pour que Dieu habite parmi eux. For God to dwell in their midst. Cette assemblée-là. That assembly. Verra la gloire de Dieu. Will see the glory of God. Dans leurs réunions. In their meetings. Dans leurs sorties d'évangélisation. In their evangelism outings. Dans leurs adorations. In their worship meetings. Dans les vies de prière individuelles. In their individual prayer lives. Certaines choses vont se produire dans la vie des membres de cette assemblée. Some things will happen in the lives of the members of that assembly. Dieu va les encourager. God will encourage them. Ils pourront être en train d'adorer Dieu. They could just be worshiping God. Et les démons commencent à se manifester pour s'enfuir. And demons start manifesting themselves to go away. Parce que la présence de Dieu est là. Because God's presence is there. L'assemblée où les gens vont jouer avec le péché. The assembly in which men will play with sin. Les démons vont dormir dans les fauteuils. Demons who sleep and rest on their sofas. Ou sur les bancs. Or on their benches. Vous venez vous les trouver sur les bancs. You come and find them on benches. Vous adorez vous les laisser sur les bancs. And you worship and leave them on the benches. Vous criez le ciel ne s'ouvre pas. You cry out and heavens will not open. Mais là où Dieu sera glorifié. But where God will be glorified. Avec des réconciliations. Si tu offenses ton frère. Tu vas rapidement lui demander pardon. With reconciliations, if you offend your brother, you go and ask him for forgiveness. Quand tu ne vois pas ton frère, tu cours chercher. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? When you don't see your brother, you run towards him and ask, but what has happened to him? Tu veux savoir si un tel qui vit le chômage a déjà mangé? You want to know whether that brother or sister who is unemployed has eaten? Si Dieu trouve une telle assemblée, if God finds such an assembly, il la sépare des autres assemblées. He separates it from the other assemblies. Il est dit que quand on trouve le jus quelque part, on épargne cette grappe là. He said that when we find a juice somewhere, we separate that vessel. Merci parce que tu es un Christ réconciliant le monde avec toi-même, Seigneur. Merci Seigneur parce que dans les épîtres, tu habites dans l'église. Oh notre Dieu, c'est parce que Jésus t'avait obéi en tout temps que ta puissance se manifestait en lui. Et donc tu as choisi l'église pour établir ton règne, pour manifester ta puissance. Oh notre Dieu, je plaide au Dieu que étant membre de l'église, donne-moi Seigneur de marcher selon ta volonté, de diriger, oh Dieu, la zone sous ma direction, selon ce que tu es en train de dire. Par ces paroles, tu sors de la bouche de ton serviteur, ce sont des paroles prophétiques. Oh Dieu, une église qui va se mettre à faire les choses de Dieu, à marcher selon Dieu, aura, Seigneur, ce que tu as donné comme bénédiction, des guérisons, des miracles. Oh Seigneur, ta manifestation. D'une manière palpable, nous verrons cela, Seigneur, dans cette église. Et nous plaidons, Seigneur, que ces paroles ne tombent point, Seigneur, dans des cœurs stériles, mais des cœurs fertiles. Afin que, oh Dieu, chacun de nous, pendant que nous amorçons, nous rentrons dans la nouvelle année, Seigneur, que chacun s'arme de ses vérités. Oh, notre Dieu, pour ma part, j'accepte, Seigneur, ces vérités. Et je proclame au nom de Jésus-Christ que je vais les appliquer dans ma vie et dans la vie de l'église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, c'est vrai. L'Église est le chemin de la manifestation de la puissance de Dieu. Et je suis le chemin de la manifestation de la puissance de Dieu. Si je vis... Donnez-lui un autre micro. Si je vis pour glorifier le Seigneur, si ma vie sanctifie Dieu, si ma vie glorifie le Seigneur, Éternel, tu te manifesteras à travers moi. Si nos assemblées vivent la vie de Dieu, si nous vivons une vie qui glorifie Dieu, tu te manifesteras, Seigneur. Ta puissance se manifestera à travers nos assemblées, à travers nos églises. Seigneur, je prie, oh Dieu, que dans ta grâce, tu me bénisses avec la puissance, la capacité divine de payer le prix pour vivre tel que tu le désires. Seigneur, pour vivre afin de glorifier ton nom, de sorte à ce que ta puissance se manifeste à travers moi. Et je prie, oh Dieu, que dans chacune de nos assemblées,
que tous les frères s'engagent à cette vie et que nos assemblées soient des lieux, des chemins de manifestation de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu, Seigneur. Je te supplie, afin que tous tes desseins s'accomplissent dans le monde à travers l'Église. Seigneur, fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livre dit pour Isaïe 65, verset 8. Read for us Isaiah 65, verse 8. Isaïe, chapitre 65, verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Amen. Isaiah 65, verse 8. Thus says the Lord, as the new wine is found in the cluster, and one says, do not destroy it, for a blessing is in it, so I will do for my servants' sake, that I may not destroy them all. Amen. Dieu ne peut pas détruire une grappe dans laquelle il y a du jus. God cannot destroy a cluster in which there is wine. Si tu es bon, if you are good, s'il détruit cette ville, if he destroys that cluster, il va t'épargner. He will, if he destroys that vine, he will spare you. Il va dire, laissez celui-là ou celle-là, il y a la vie en elle, ou bien il y a la vie en lui. He will say, leave that one, there is life in him or there is life in her. Dieu n'est pas injuste. God is not unjust. Dieu ne peut pas bénir les paresseux et bénir les travailleurs. God cannot bless et bénir ceux qui travaillent dur. God cannot bless the lazy ones and bless those who are working hard. Et bénir les non consacrés et les moqueurs et bénir ceux qui travaillent pour se sanctifier. He blesses the unconsecrated and the mockers, and then he blesses those who are working hard to sanctify themselves. In the fair passer. He doesn't work that way. Il bénit ceux qui méritent d'être bénis. He blesses those who deserve to be blessed. Et il maudit ceux qui méritent d'être maudits. And he curses those who deserve to be cursed. Il avait dit aux enfants d'Israël, he told the children of Israel, vous allez me construire le tabernacle. That you construct the tabernacle for me. Et je vais habiter au milieu de vous. And I will dwell amongst you. Le but du tabernacle, c'était quoi? What was the goal of the tabernacle? C'était pour recevoir les sacrifices pour que Dieu ne se fâche pas. It was to receive sacrifices so that God should not get angry. Alléluia. Alléluia. Quand on a Jésus, when we have Jesus, Dieu peut vivre avec nous. God can dwell with us. Mais ça ne veut pas dire que tu prends une petite statuette là. It doesn't mean that you should take a little statue. Ou bien une croix, ou bien une prière, tu emballes. Or a cross or a prayer, and tu you mets à ton cou Jésus. And you wrap it somewhere and then put it on your neck. Et quand Dieu voit ça, il te bénit, non? And now when God sees that, he blesses you. That's not it. Jésus est une vie. Jesus is a life que nous devons expérimenter. That we must experience. Quand tu as cette vie là, when you have that life, c'est comme si tu as bu l'eau de vie. It's like you have drunk the water of life. Tu seras une source d'eau vive toi-même. You will be a source of living water yourself. C'est le raccourci. Si tu ne sais pas comment faire pour arriver là où Dieu est, prends la vie de Jésus. Là où Jésus a posé le pied, tu poses le pied. That is a shortcut. If you don't know where, how to get to where God is, just take the life of Jesus. Where he put his feet, you put yours as well. Tu verras que deux pas seulement, tu es déjà dans le ciel. You will see that as you take just two steps, you are already in heaven. Dis amen. Say amen. Au temps des apôtres, in the era of the apostles, ces doctrines étaient bien expliquées, comme vous voyez là. This doctrine was well explained, as you can see. Et c'est ça qui a tiré la gloire de Dieu. That's what brought down God's glory. C'est ça qui fait que on peut être comme ça. Les anges sont autour de nous. That's what can make angels to be around us as we are seated here. Dieu aime ça. God loves this.
l'apôtre Jean dit, si quelqu'un te dit autre chose, ne le salue pas. The apostle John says, if someone tells you something else, don't even greet him. Si tu dis ça, quelqu'un va dire que ça c'est le fanatisme. Non, c'est ça la vérité. If you tell this to someone, they'll tell you that is fanatism, but this is the truth. Un démon utilise quelqu'un pour blasphémer et tu l'embrasses, tu dis il faut être gentil. A demon uses someone to blaspheme and then you embrace the person, you hug him and you say no, we need to be gentle, we need to be nice. Jésus est venu en chair. Jesus came in the flesh. Et Dieu était en lui. And God was in him. Réconciliant le monde avec lui-même. Reconciling the world to himself. Et il disait qu'il faisait la volonté de son père. And he said he was doing the will of his father. C'était sa nourriture. That was his food. Et il a dit. And he said. Les autres qui vont croire en lui. The others who believe in him. C'est-à-dire qu'ils vont vivre comme lui. They will live like him. Verront des œuvres plus grandes que celles-là. That is the ones that believe in him and live like him, they will do the works that he has done and even more. Je pense que l'un des plus grands miracles c'est ressusciter mort. I think that one of the greatest miracles is to raise the dead. Maintenant Jésus allait plus loin même. Now Jesus went further. Toute la communauté devient une grande clinique avec des labs, des blocs opératoires disponibles. D'entre là où tu es là, sois tranquille. The entire community has become a clinic with oppression blocks. So right where you are, just be calm. Il y a plein de témoignages des gens qui ont été opérés, qui a été opéré dans les laboratoires, dans le bloc opératoire de Dieu par les anges. Lève la main. There are many testimonies of people who operated upon. Trois personnes. Three people should come and testify how they operated in God's laboratory. Oui. Des miracles plus grands que cela. Les apôtres Jean n'ont pas connu cette dimension. Alléluia. Miracles. The apostles like John did not see this dimension. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je suis le frère Bautissier Jean Norris. Et mon fusil de disciples, c'est la sœur Tapé Elodie. On va accélérer. Alléluia. J'ai été opéré pendant le jeûne de 40 jours pour le ministère. C'était dans un songe. Je participais à moi-même mon opération. Et quand nous sommes arrivés dans le lieu, c'était d'abord un ranch. Et quand je rentrais, il y avait un lieu. J'ai demandé, on m'a dit que « Attends, tu verras ». Et dans la deuxième partie du songe, je me suis retrouvé dans le lieu. Et je me rendais compte que nous étions en train d'opérer un monsieur. Et le mal que le monsieur avait, c'était le même mal que j'avais. Ça veut dire que le monsieur, dès qu'on l'opérait, si on enlevait quelque chose dans son corps, je ressentais ça chez moi. Alléluia. Et j'ai été opéré des maux d'ange et des douleurs atroces aux yeux. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kofi Geneviève, disciple du pasteur Babatunde Nathanaël. Arrivé à ce moment, j'avais très mal au sein. Je ne comprenais pas. Je me suis rendue à l'hôpital. Le médecin m'a prescrit des médicaments. Ils ont fait la mammographie, l'échographie et autres. Je suis rentrée à la maison. J'ai suivi le traitement. Arrivé à ce moment, la douleur est revenue encore. Vraiment, c'était difficile. Donc, un jour, je me suis levée et dit, mais je ne vais pas traîner toujours avec cette douleur. Donc, je me suis mise dans la prière. J'ai dit, non, Seigneur, tu ne m'as pas créée maladive. Je refuse la maladie. Je me suis mise à prier jusqu'à ce que je m'endorme. Frère, je vous assure que j'ai vu une lumière. Je ne pouvais même pas discerner le visage de la personne, mais je voyais que la lumière. La personne s'est approchée, la lumière s'est approchée. Elle m'a demandé, mais tu veux être guérie, ma fille? J'ai dit, oui. La personne a opéré le sein. Et il m'a dit, soulève la tête et regarde à l'intérieur du sein. Frère, c'est comme si une opération qu'on faisait dans les cliniques, à l'hôpital. Vraiment, quand j'ai soulevé la tête, j'ai vu os de viande, seringue cassée. C'était bizarre, vraiment, j'avais peur. Il a dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, enlève tout.
J'ai commencé à enlever, j'ai enlevé jusqu'à ce qu'il me dise que... Il m'a demandé « c'est bon ?» Il a dit « oui, c'est fini. » Frère, il a refermé le C comme si rien n'avait été fait. Vraiment, j'ai juste vu la main de Dieu. Je vais dire merci à Dieu pour cela. Attendez d'abord. Viens, viens. Est-ce que tu as toujours mal au sein? Non, le mal est reparti là où il est quitté. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis le prêtre dans le Bagnon. Je faisais le passage jamais de Gonzac. Alléluia. Le Seigneur m'a opéré. J'avais eu mal au ventre. Ça commençait un peu. Je me traitais, mais ça ne passait pas. Et le mal s'accentuait. En sorte que je ne pouvais plus me redresser. C'était les deux côtés. C'était comme s'il y avait un couteau dedans qui me déchirait. Les deux côtés. Et donc, j'étais comme ça, je ne pouvais pas me lever et je ne pouvais pas dormir. J'étais admis au CHU de Trècheville. Et ils ont dit que bon, ils vont vérifier pour voir s'il n'y a pas d'appendicite. Donc, ils m'ont fait l'examen de lavement des barités. Ça dit que la télévision est devant et on voit tout. Ton abdomen, les intestins, les stomacs, on voit tout. Et c'est là que les médecins ont dit mais que c'est très grave. Regardez, là, comment son intestin s'est dilaté. Il faut l'opérer rapidement. Il faut l'opérer rapidement. Les docteurs s'acharnaient sur moi. Et là, dans mon cœur, je disais, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, bénis les docteurs. Et que vraiment, Seigneur, par ta main, qu'il m'opère. C'était comme ça, je priais. Le matin, jusqu'à 11h. Or, c'est le lendemain qu'on devait m'opérer, le lendemain matin, au-dessus de Trècheville. Où était admis. Et j'ai prié comme ça le matin, Seigneur, bénis les docteurs et que l'opération se passe bien. Dans la douleur, j'ai prié ainsi. Mais à 11h, Dieu m'a béni avec la foi. Alléluia. À 11h, dans mon cœur, je vois un bouleversement où je voyais que je suis un enfant de Dieu. Donc, si les docteurs vont m'opérer pour que je sois guéri, c'est comme je suis comme un païen aussi, un païen dans ce cas, on va l'opérer et il sera guéri, donc c'est simple. Il a dit, Seigneur, moi je suis ton enfant. Donc alors, Seigneur, je refuse que les hommes m'opèrent, mais Seigneur, je demande que toi-même tu m'opères. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Je vous dis les prières, quand je faisais cette prière, c'était avec toute mon âme. Et si les médecins qui étaient à côté de moi, s'ils regardaient, ils vont dire, mais peut-être que l'homme-là, il a bu. Mais j'étais entré en moi-même et j'ai parlé à Dieu. Et j'ai supplié le Seigneur. Et je me suis remis dans la main de Jésus-Christ. Je vous dis les prières, j'ai prié comme ça. Et j'étais là dans le silence. Dans le silence, et le Seigneur qui est le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu qui écoute ses enfants, qui exauce ses enfants, il me dit dans mon cœur, sors de l'hôpital, va à la maison, et que l'agent qui t'a amené pour faire l'opération achète les fournitures scolaires de tes enfants avec. Alléluia! Et j'ai dit à ma femme, on va partir. Elle dit quoi? Je dis, on va partir. Jésus-Christ. Attends, le docteur était en mouvement. Je voyais les appareils qu'ils envoyaient. Vraiment, quand je voyais ces appareils, moi-même, ça me faisait peur. Et le Seigneur me dit, sors de l'hôpital, va à la maison. Et donc, j'ai dit à ma femme, que Dieu me dit de partir à la maison. On va chercher un taxi. Et ma femme allait chercher un taxi. Nous sommes montés dans le taxi. Je vous dis les prêts. Si je décrivais la douleur, vraiment, c'était insupportable. C'était insupportable. Et donc, on s'est débrouillé avec le taxi. Nous sommes arrivés à la maison. Moi, je ne pouvais pas dormir. Arrivé à la maison, je monte dans mon lit. Et puis,
le Seigneur le Seigneur envoie un sommeil. Alléluia. Il a envoyé un sommeil. Comme si j'étais pas. Comme si c'était, j'étais en bon point où je devais dormir. Alors que j'avais la douleur. C'est comme il y avait des aiguilles, des pointes, n'importe quoi dans mon ventre. Je ne pouvais pas dormir. Mais le Seigneur a envoyé un sommeil divin pour me faire dormir. J'ai dormi. Quand je me suis réveillé, je vois en moi tout est devenu normal. Jésus. Plus de douleur. Les tessets même qui étaient allongés, c'est-à-dire la partie allongée là, c'est-à-dire si on n'opérait pas même, ça pourrissait. Mais le Seigneur, il a fait le miracle, il m'a guéri. Et depuis, je n'ai plus ressenti ce mal jusqu'à aujourd'hui. Je lui rends toute la gloire. Amen. Acclamation. Oh, ça fait environ 15 ans. Attends. Ça fait combien d'années? 15 ans. Acclamation. Clap offering. Acclamation. Clap offering. Acclamation. Clap offering. Dis, nous proclamons so we proclaim que le Seigneur éternel est dans l'église. Is in the church. L'église de son fils. The church of his son. L'église que son fils a bâti. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Against which the gates of hell shall not prevail. Pose la main sur ta tête, tu dis, je suis membre de cette église, je suis membre de cette église. I'm a member of this church, I'm a member of this church, I'm a member of this church. Maintenant, prie que Dieu te donne la puissance. Pray that God should give you the power. Pour suivre les traces de Jésus. To follow the footsteps of Jesus. Oh Père, donne-moi la puissance. Pour suivre les traces de Jésus, 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 les traces de Jésus. C'est là où se trouve le problème. That is where the problem is. Nous pouvons chasser Dieu. We can chase God away. C'est ce que les épîtres. C'est ce que les lettres aux églises de l'Asie nous révèlent. That's what the letters of the churches in Asia reveal to us. Les sept lettres adressées aux églises. The five letters addressed to the church. Nous montrent qu'une église peut rétrograder. Show us that a church can backslide. Une église peut perdre l'amour. That the church can lose love. Une église peut laisser l'ennemi entrer, semer le désordre. That the church can let the enemy to get in and sow disorder. Entraîner les gens dans l'immoralité sexuelle. To get people into sexual immorality. Dans l'homosexualité. Into homosexuality. Le diable peut se cacher. The devil can hide. Pour provoquer les jalousies. And provoke jealousy. Et détruire la gloire de Dieu. And destroy the glory of God. Dans la vie des saints. In the lives of the saints. Parce que quand tu te mords avec ton frère. Because when you and your brother bite each other. Il n'y a plus de gloire, il n'y a plus de lumière. There's no more glory, there's no more light. Il n'y a plus de sel. There's no more salt. Le sel a perdu sa saveur. The salt has lost its savor. C'est toi. It is you qui peut détruire les desseins de Dieu. Who can destroy God's purposes? Pour toi. For you. Et pour l'église. And for the church. Si tu es dirigeant d'une assemblée. If you are the leader of an assembly. Pray. Que Dieu te donne la sagesse. That God should give you wisdom. Pour conduire cette assemblée. To lead this assembly.
de manière à faire éclater la gloire de Dieu. In order to make his glory to shine forth. Et nous les anciens. And for us the elders. Ça doit être un objectif. It must be a goal. Ça bénit. It's a blessing. Ça fortifie. It strengthens. Quand un disciple te dit. When a disciple tells you. Qu'il était malade. That he was sick. Et Jésus l'a opéré. And that Jesus operated upon him or her. Et que depuis 15 ans. And it's been 15 years. Le mal a disparu. That pain disappeared. Voilà ce que Dieu veut faire dans son église. That is what God wants to do in his church. Et la vie de certaines personnes bloque cela. And the lives of some people blocks it. Leur manière de penser, their way of thinking, de traiter les autres, of treating others, ferme la porte à la gloire de Dieu. Closes the door to God's glory. Dieu veut se manifester. God wants to manifest himself. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est pas qu'il faut se mettre à genoux. Oh Seigneur, manifeste-toi. Oh Seigneur. Dieu, it's not something difficult. Ma gloire va remplir toute la terre. Il a dit ça. It's not something difficult. We don't need to go and start praying. Oh God, we want your glory. He says, my glory will fill the earth. He said it. Et nous faisons comme si c'est une chose très difficile. And we behave as though it's something very difficult. C'est nous qui barrons la route. We are the ones blocking the way. L'hypocrisie. Hypocrisy. L'orgueil. Pride. L'orgueil. Pride. Jésus a dit. Jesus said. Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été demandé de faire. And when you have done all that you were asked to do. Dites que vous êtes des serviteurs inutiles, inutiles. Say that you are unworthy servants, unworthy servants. Dites que vous n'avez fait que ce que vous devriez faire. Say you just did what you had to do. Et Dieu ne peut même pas ajouter parce qu'il te donne selon ta capacité. And God cannot even add because he gives you according to your capacities. S'il te dit même de continuer, tu ne pourras pas. If he tells you to go on, you will not even be able. Mais toi, tu penses que tu as tué tous les lions de l'Afrique et du monde. But you think that you have killed all of the lions of Africa and the world. Si nous sommes humbles, if we are humble, nous n'avons même pas encore vu le miracle. We have not even seen miracles yet. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu diriges une assemblée, if you are an assembly leader, dirige pour que Dieu descende dans l'assemblée. You should lead so as to bring God down into the assembly. N'entretiens pas les querelles. Do not keep quarrels. Et toi-même en tant que dirigeant, and you as a leader, ne bloque pas les frères. Don't block the brethren. Vous savez, il y a un sujet de prière que j'aime m'élever depuis qu'on a eu la première délivrance. You know, there's a prayer topic that I always like to pray que si when, since we had the first deliverance. Nous prions souvent que s'il y a quelqu'un dans le monde, parmi les hommes, we used to pray that if there is someone among men in the world qui a décidé que tant qu'il est vivant, nous ne serons rien. Who has decided that as long as he's alive, we'll be nothing. Que Dieu l'enlève. That God should take off such a person. Le Seigneur m'a révélé que the Lord revealed to me that avant de faire prier comme ça, that before you bring someone to pray that way, il faut amener d'abord tout le monde à libérer tout ce qu'ils ont bloqué. You must first of all get everyone to release those that they have blocked. Parce que ça peut, quand Dieu va exaucer, nous serons surpris. Because when God will answer, we might be surprised. Certains peuvent perdre leur ministère. Some might lose their ministries. Alors qu'on ne visait pas les frères. Whereas our target was not the brethren. Tu as un disciple, tu poses ton pied sur sa tête, tu verras. If you have a disciple and then you put your leg on his head, you will see. La tempête va te transporter. The storm will take you away.
Alors que nous, on ne t'attaquait pas, on croyait qu'on attaque le diable. Whereas we were not attacking you, we thought we were attacking the devil. Quelqu'un veut se marier, ça, tu traites son dossier 15 ans. Someone wants to get married, you handle his file and you treat it for 15 years. Une tempête va t'enlever. A storm will take you away. Ça va nous surprendre. And we'll be surprised. Donc, le Seigneur m'a dit, avant de prier comme ça, que je ne donne pas ce sujet sans avoir exhorté que tous ceux qui ont bloqué quelqu'un les libèrent volontairement. Dès qu'on a fini, on peut prier maintenant. The Lord taught me that I should not lead, that we should pray like that until I have led all those who have kept people in their hearts to release them voluntarily. Et c'est un sujet très important. And that is a very important topic. Mais c'est une bombe. But it is a bomb. Normalement, aucun être humain ne doit barrer la route à un autre être humain. Dieu même, Dieu, vous avez vu la colère de Dieu contre Amalek. You see, normally no human being should block the way of another. God does not like it. You saw God's anger against the Amalekites. Amalek a fermé la voie aux enfants d'Israël. Amalek blocked the way to the children of Israel. Dieu libère un peuple. God had released the people. Un être humain vient barrer la route. A human being comes and blocks the way. Dieu a dit, God said, souviens-toi de ce qu'a fait Amalek. Remember what Amalek did. Va. Go. Tu défous tout par interdit. And utterly destroy everything. Quand les enfants d'Israël allaient à la guerre, when the children of Israel went to war, Dieu leur permettait de prendre le butin. God permitted them to gather the spoils. De garder. And keep. Mais pour les Amalécites, but for the Amalekites, ils ne devaient rien toucher. They had to keep tout devait être détruit. They had to utterly destroy everything. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si quelqu'un vient chercher les conseils, if someone comes to seek advice, ne lui donne pas les conseils qui va lui permettre d'échouer. Do not give him advice that will get him into failure. Ne fais pas la ruse. Tu gardes le bon conseil. Tu lui dis, va, essaie de voir, on va voir. Si ça marche, on va voir. Tu connais le bon conseil. Do not play tricks saying that just try this and if it works, we'll see. Whereas you know the right advice. Mais comme tu es jaloux, but since you are jealous, tu lui donnes un mauvais conseil ambigu. You give him an ambiguous wrong advice. Après, il échoue. Afterwards, he fails. Tu dis non, rends gloire à Dieu. Afterwards, you tell him, just give thanks to the Lord. Thank God. Dieu ne peut pas descendre. God cannot come down. Je vous dis la vérité, frère. I tell you the truth, brethren. Si nous appliquons cette parole, if we apply these words, ça sera le genre que quand Dieu se fâche, il laisse tomber les pierres, lui-même ça frappe l'ennemi. You see that? Quand tu n'as même pas les armes, mais les pierres descendent d'en haut, ça tombe sur les ennemis. And even if you don't have weapons, God himself will bring down stones from heaven to crush the enemy. Il y a une vie que Dieu aime. There is a life that God loves. Il dit, aimez-vous les uns les autres. He says, love one another. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. He says, a new commandment I give you. Il dit, si vous demeurez en moi, if you abide in me, il dit, vous allez porter du fruit. You will bear fruits. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'autre jour, le Seigneur m'a enseigné sur la bénédiction de Nombres chapitre 6. The other day, the Lord was teaching me on the blessing of Numbers chapter 6. Lis-nous cette bénédiction, Nombres 6 verset 22. Read for us that blessing, Numbers chapter 6 verse 22. Vous allez voir comment Dieu travaille. You are going to see how God operates. Nombres chapitre 6
Verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Number 6 from verse 22. And the Lord spoke to Moses, saying, speak to Aaron and his sons, saying, this is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So they shall put my name on the children of Israel and I will bless them. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit ici? What does God say here? Ça, c'est l'initiation à l'intercession. This is the initiation into intercession. Nous savons que le diable accuse les enfants de Dieu. We know that the devil accuses children of God. Et il faut des intercesseurs. And we need intercessors pour frustrer les plans de Satan contre le peuple de Dieu. To frustrate the devil's plans against the children of God. Cette bénédiction, this blessing, est une sorte d'intercession pour que le diable n'ait pas l'autorité sur les enfants de Dieu. It is a kind of blessing such that the devil will not have authority over the children of God. It's an intercession. So that the devil will not have authority over the children of God. Chaque jour, every day, il devait proclamer, they needed to proclaim, que l'Éternel te bénisse, may the Lord bless you, qu'il te garde, may the Lord keep you, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, the Lord make his face shine upon you, qu'il t'accorde sa grâce, and be gracious to you, que l'Éternel tourne sa face vers toi, the Lord lift up his countenance upon you, et qu'il te donne la paix, and give you peace. Pendant ce temps, meanwhile, le diable veut que l'enfant de Dieu tombe. The devil wants the child of God to fall. Il veut qu'il tombe malade. He wants him to fall sick. Il veut qu'il perde ses biens. He wants him to lose his wealth. Il veut qu'il rétrograde. He wants him to backslide. Toi, tu te lèves. You rise up. Que l'Éternel te bénisse. The Lord bless you. Qu'il t'accorde sa paix. May he grant you peace. Que sa grâce te soit accordée. May he be gracious to you. You see? Donc, c'est ce que nous faisons dans l'intercession. That's what we do in intercession. Comme le peuple ne maîtrisait pas encore la vie de Dieu. Since the people did not yet master God's life, Dieu a résumé ça dans une formule de bénédiction. God summarized it in a form of blessing. Chaque jour, every day, un dirigeant, a leader, doit protéger le peuple. Must protect the people. Tu protèges contre l'ennemi. You protect them against the enemy. Contre les faux frères. Against false brethren. Contre les sorciers. Against witches. Contre les maladies. And sickness. Contre la pauvreté. Against poverty. Si tu es vrai, if you are true, un bon dirigeant qui prie de cette manière, good leader who prays in that way ne peut pas garder rancune. Cannot bear grudges. Ta propre prière va te convertir. Your own prayer will convert you. Si tu vois un dirigeant entêté dans la méchanceté, il ne prie pas pour le peuple. If you see a leader who is stubborn in wickedness, he does not pray for the people. Le peuple a tellement de problèmes que si tu te mets à genoux, you must bear the problem so that if you go to your knees, même si tu étais fâché, even if you were angry, tu vas commencer à pleurer, you'll start weeping, pour que Dieu pardonne, for God to forgive, qu'il guérisse, for him to heal. Il y a certaines maladies, quand quelqu'un te dit qu'il a ça, tu ne sais pas ce que tu peux faire. There are some sicknesses that when someone tells you that he has such, you don't even know what to do. Rien que les fardeaux brisent ton cœur, la méchanceté disparaît. Only burdens break your heart and your wickedness disappears. Si ça ne disparaît pas, if it doesn't disappear, ce n'est pas Dieu qui t'a mis là où tu es. Means that it's not God who puts you where you are. C'est une erreur humaine.
It's a human error. Pour ne pas dire que c'est l'ennemi. On refuse même, disons que ce n'est pas l'ennemi, mais c'est une erreur humaine. Let's just say that it's not the enemy. Let's say it's a human error. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu es père de famille, if you are a family head, supplie Dieu. Plead with the Lord. Pour que Dieu habite dans la famille. For God to dwell in the family. Ce n'est pas une grosse affaire. Ne tape pas la tête contre le mur. Dieu veut habiter. It's not something very big. Don't hit your head against the wall. God wants to dwell. C'est Dieu qui a dit aux enfants d'Israël, construisez-moi un tabernacle. Ainsi j'habiterai au milieu de vous. C'est lui-même qui nous explique les secrets. It is God who told the children of Israel, build a tabernacle for me, I will dwell amongst you. He's the one who explains the secret to us. Il ne faut pas que l'incrédulité te fasse croire que c'est une chose difficile et puis tu t'en vas vers les... Je ne veux pas citer les autres noms. Unbelief should not make you think that it's something difficult and then you go towards the people that I don't want to call names. Dieu veut le faire. God wants to do it. Donc, si nous coopérons, so if we cooperate, il sera avec nous. He will be with us. Il sera avec nous. He will be with us. Si tu es missionnaire, if you are a missionary, c'est toi, it is you, qui dois œuvrer pour introduire la région ou le pays dans cette dimension-là. We must work to introduce the region or the nation into that blessing. Quand le Seigneur parle aux églises, when the Lord speaks to the churches, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. He says, write to the angel of the church in Ephesus. C'est-à-dire le dirigeant. He's talking about the leader. Il y a les membres de l'église, mais il est écrit à l'ange de l'église. There are members of the church, but he says, write to the angel of the church. Tu as laissé ton premier amour. You have abandoned your first love. Si le dirigeant aime Dieu, if the leader loves God, il va créer ça dans le cœur du peuple. He will create it in the heart of the people. Si le dirigeant sait pardonner, the leader knows how to forgive. Tous les membres de son assemblée seront pardonnés. All the members of his assembly will know how to forgive. Nous allons prier. We are going to pray. Tenons-nous debout. Let's stand, please. Si tu avais bloqué quelqu'un, if you had blocked someone, nous allons demander à Dieu. We are going to ask God. Que si c'est la conséquence de nos prières, and if it's the consequence of our prayers, que tu ressens déjà dans ton ministère, that you're already feeling in your ministry, qu'il pardonne, that he should forgive, que tu libères tout le monde, and that you should release everyone. Avant, on ne savait pas. At first, we did not know. Que certains parmi nous pouvaient bloquer les gens. That some amongst us could block others. Stratégiquement ou verbalement. In a strategic way or verbally. J'avais envoyé un frère apprendre comment on fait les bains soufflés chez un autre frère. I'd sent a certain brother to go and learn how to make puff balls with another brother. Et le frère n'était pas bon. And the brother was not good. Donc quand le frère arrivait, when the brother came, il dit, bon, couche-toi, tu te reposes. He told him, sleep and have a rest. Et le frère se couchait. And the brother would sleep. Quand il se réveille, il a déjà fait tous les mélanges. When he gets up, he has already mixed the entire dough. Il ne lui montrait rien, 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 rien. And he showed him nothing. Quand je suis allé pour les réconcilier, when I went to reconcile them, le frère me dit qu'il croit que je suis un enfant. Il me dit de me coucher, me reposer. Quand je me réveille, il a tout mélangé. And the brother said, ça fait depuis que je suis là. He thinks that I'm a child. He tells me to sleep and rest. When I get up, he has already mixed up everything.
And it has happened like that since I came. Une sœur savait faire le piment. A sister knew how to prepare pepper sauce. Une autre lui a dit, je passais quand l'autre lui disait de lui montrer. Il dit, non, je ne te montre pas. And I was passing by while another sister was asking her to show her how to do it. And she said, no, I will not show you. Frère, il y a beaucoup de choses qu'il faut déraciner. But there are so many things that we need to uproot. Pour que Dieu vive avec nous. For God to dwell with us. Il était en son fils. He was in his son. Le fils était parfait. The son was perfect. Sa nourriture était de faire la volonté du Père. His food was to do the Father's will. Il a dit aux Juifs. He told the Jews. Comment pouvez-vous croire? How can you believe? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres. You who draw your glory from one another. Vous ne pouvez pas croire. You cannot believe. Chacun veut montrer qu'il est fort. Each one wants to show how strong he is. Vous ne pouvez rien devenir. You can become nothing. Si nous sommes comme lui, if we are like him, il faut relire Romains. Should read Romans once again. Il les a, il a prédestiné. He predestined them à être semblable à l'image de son fils. To be in the likeness of his son. Il les a appelés. He called them. Il les a glorifiés. He glorified them. Être d'abord comme le fils. First of all, to be like the son. Et puis glorifier. And then to glorify. Si nous refusons ce travail pour être comme Jésus, if we refuse that work to be like Jesus, nous fermons la porte à la gloire. We are closing the door to glory. Prions ensemble. Let's pray together. Amen. Amen.